Bonsoir Facebook, je fais une vidéo rapide. Salut, j'ai eu beaucoup de témoignages. Et dans les témoignages, je me suis rendu compte de quelque chose. Je voudrais partager avec vous. Vous avez remarqué que je n'ai pas fait de vidéo aujourd'hui. Bonsoir. Vous ne dormez pas. Donc, je savais que vous étiez sur Facebook. Vous faites quoi sur Facebook la nuit? Je demande l'assistance de nos ancêtres pendant que je parle. J'ai parlé avec une dame ce matin pendant qu'on faisait l'atelier pour les businesswoman, businessman et woman. Donc, j'ai une dame qui me donnait son témoignage. Et je me suis rendu compte de la première chose. Je voudrais vous donner ça comme une sorte d'avertissement. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de vous Decepticons sont sur ma page. Beaucoup de gens qui vous veulent du mal. Ok? Ils me suivent aussi. Hein. Donc, ils ne veulent pas que tu avances et ils sont sur ma page. Donc, quand ils te voient connecté avec ton nom, ils commencent à savoir que tu sais beaucoup de choses. Bonsoir la reine Christelle, la reine Nathalie, bonsoir. Thierry, bonsoir. Le roi Thierry. Et il y a une qui m'a dit l'autre jour qu'une des Decepticons la contacte. Une là qui s'appelle une page qui a au moins plus de 50 000 abonnés en tout cas. Et la Decepticon lui dit, on va voir comment ta page va augmenter. Que tu n'as plus, qu'on ne suit plus tes vidéos, non. Genre, la Decepticon est venue la confronter. Et elle dit que quand elle voit, souvent dans mes vidéos, elle voit la dame connectée. Beaucoup de gens qui partent vous bloquer tout le temps là. Ils sont sur mes vidéos. Donc, il faut que mon nombre d'abonnés augmente parce que vous allez aller créer un deuxième compte pour me suivre avec l'autre là. Je vous en prie, soyez très rusés. Soyez très sages. Donc, ce matin, la dame me disait, elle fait partie des gens qui me suivent sans parler, qu'elle a dû se résigner à écouter et ne pas commenter. C'est la même dame dont je vous avais parlé une fois que sa petite soeur est partie faire des incantations pour qu'elle se sépare de son mari. C'est la même dame qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. C'est la même dame. Donc ce matin, elle me disait, elle me parlait de la poudre de désenvoûtement. Vous avez remarqué, ceux qui ont pris le kit de déblocage plus, il y a une poudre là-dedans. Donc, le premier témoignage qu'elle m'a donné, c'est que Hier, j'ai parlé dans la prière de 6 heures. J'ai parlé des faiblesses sexuelles chez les hommes. Donc, elle me dit que les Decepticons ont œuvré pour qu'elle se sépare de son mari. Bonsoir, la reine Nicole. Les Decepticons ont œuvré pour qu'elle se sépare de son mari. Elle est partie de la maison, après elle est revenue. Quand elle est revenue, elle s'est rendue compte que il s'était affaibli au lit. Et c'est pas le genre de mari que tu peux lui dire que bébé, prends ça, tu bois. Parce que la reine Jocelyne a dit que ça va t'aider. Il va dire non. Que la reine Jocelyne, c'est qui? Que t'es sûr de marabout là. Elle me disait que depuis qu'elle a commencé à faire, elle a déjà fait presque tous les kits chez moi. Donc bonsoir si tu écoutes la reine. Elle a fait presque tous les kits.
Elle dit que chaque fois que je parle, elle écoute. Et pas effet. Et depuis qu'elle fait les quittes, ses visions, les rêves là sont devenus clairs. Écoutez, quand vous utilisez mes produits là, tu vas dormir, tu vas voir ton décepte qu'on va venir dans le rêve. Donc, on va te montrer que c'est lui, celui-là, c'est lui. Tu vas rester comme ça à 5 heures, on va te montrer que tu vois la chaussure qu'on t'est venu te donner là, non? Le sac à main là. On a travaillé sur ça. J'ai un habit là qu'un jour quelqu'un m'a donné. La personne m'a donné l'habit. Et vous savez, comme quand vous venez toujours me voir tout le temps là, vous venez m'apporter plein de choses. Quand la personne est venue avec, premièrement, Dieu n'a même pas permis que je tombe au Cameroun pour voir la personne. La personne m'a attendu fatiguée. Je suis resté dans le pays où j'étais là jusqu'à ce que la personne se fatigue et rentre. Quand elle rentre, elle arrive dans sa ville, elle me renvoie, elle dit que non, j'avais oublié de t'envoyer ça. Elle prend, elle envoie. J'arrive, je rentre de voyage, on me donne les articles. Je reste un jour comme ça le matin. L'esprit me dit, il me montre en vision que l'autre là, que la Bible là, il faut que tu jettes ça. J'ai dit, ah, mais c'est bien. Entre-temps, une des personnes de la maison a pris l'habit et est partie laver. La personne a séché l'habit. La personne a pris l'habit et est venue mettre à la maison dans l'armoire. Dans l'armoire, l'habit a moisi en l'espace de 2 ou 3 jours. Le jour encore, l'esprit me rappelle que tu te rappelles l'habit qu'on t'avait montré là. J'ai dit oui. Je fouille, je passe, je tombe sur l'habit. Je regarde l'habit, je dis, mais attends. Tu as lavé l'habit si ça ne fait pas 2 jours, non? Oui. Et te dit, l'habit avait moisi. Et seulement après, je suis parti, j'étais dit, ok, pardon, excusez-moi, pardon. Elle dit donc qu'elle a pris, elle a commencé à faire les kits. Elle a prié. Fait son truc de lavage, fondation. Dans la nuit, elle rêve. Je rappelle que la période, elle s'est séparée de son. Elle a été mariée pendant des années, ils n'ont pas eu d'enfants. Je ne vais pas donner le nombre d'années parce que c'est que les 17 qu'on me suivent maintenant sur la page ici. Donc vraiment, on va devenir très vigilant. Entre-temps, l'audio est parti dehors, il a fait l'enfant. Premier enfant. Elle s'est séparée de lui. Quand elle est revenue à la maison, ils ont conçu le deuxième. Et la même période de là, celle des deux aussi avait conçu. Donc, elle restait dehors. Dans le rêve, quelqu'un vient lui dire, lui montre que viens, je te montre là où on a mis ton mari. Dans le rêve, elle. Elle arrive dans la maison de la Tisa. Dans le rêve. La personne lui montre en bas du lit. Elle voit son mari dans la bouteille, en bas du lit de la Tisa. Tu vas te lever du genre de rêve là, tu vas dire que, ah, sûr que c'est mon imagination. Alors que tu es en train de faire ton kit de fondation, de déblocage. Ariane Nouké. Consultation urgente, c'est 100 euros. 100 euros, c'est 65 000 francs. Si vous n'avez pas l'argent pour me payer, regardez mes vidéos, commencez à vous laver avec le sel. Vous avez suivi, non? Vous avez vu le sel? L'argent va commencer à venir, vous allez prendre l'argent, vous allez me donner. Quand elle m'a dit ça, ça m'a ri. Elle dit que non, mamie, depuis que je te suis et que je mets en pratique ce que tu dis, moi-même je vois. Elle dit qu'elle s'est levée. Elle a enclenché un jeûne sur la femme là. Te dit, bonsoir Jean, ça c'est la pauvreté qui te dérange. Je peux reconnaître les commentaires des gens qui sont pauvres. Premièrement, tu te caches derrière un. Tu es un décepticon. T'inquiète pas, avant de te bloquer, je vais d'abord te parler. Je ne tolère pas la pauvreté, tu as compris? Vous êtes là, vous partez galérer. Une personne vient parler un jour comme ça. Que je touche mes 2 000 euros par mois. Je suis sûr que tu es en Europe là-bas, la pauvreté te touche, monsieur Bangsois là.
C'est tout ce que je peux t'accorder. Tu es d'abord trop laid même. Regarde moi, tu es laid. Chi. Vilain comme ça. Tu es vilain. Tu es vilain. Vous allez détester les gens. Ils vont toujours avancer. Tu as compris? Tu as compris? La laideur n'est pas bien à la pauvreté. Quand tu es laid, tu es pauvre là, c'est pas bon. Parce que si tu étais marié, ce que tu es, ce qu'on est en train de toucher tes balles là maintenant, tu n'es même pas en train de venir sur la vidéo aussi. Donc si tu es ici, si tu es en train de me suivre, ça veut dire que tu es pauvre, tu es laid et tu es seul. Et te dis, dis, maman, ce n'est pas bien, hein, ben soi. Pauvre, laid et seul. C'est samedi soir, on est en train de te toucher les balles comme ça, là on te fait du bon caviar. Flo, Flo, où c'est Flo, Lolo, ne te dérange pas, c'est pas n'importe qui que je consulte. Tu as compris, mamie? 65 000, j'ai des gens qui vont me payer 150, même si j'ai des gens qui me payent 100 000 euros, 100 000, 100 000 francs CFA. Ah oui. Ma page, c'est pas pour les pauvres, mes produits, c'est pas pour les pauvres. Donc les gens que vous êtes en Bengla, vous souffrez avec vos petits 1 000 euros par mois, là, c'est pas bon. Vous n'êtes pas sur ma vidéo. Vraiment. Je dois vous parler, Hora. Que le pauvre banc soit, les gens là viennent encore commenter. Viens commenter. Viens commenter. Pauvre, laid. Parce que si tu étais beau, ça pourrait quand même. On va encore gérer. Tu es pauvre, tu es laid. Tu sais ça, hein? Samedi soir, les gens ont déjà mangé. Ils ont donné une tournée de whisky à 5 fois. Tu es sur la vidéo ici, là. Tu es sur la vidéo ici, là, comme ça, là. Yeah. 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 La pauvreté n'est pas bien, hein. Sur que tu souffres dans une petite chambre comme ça, là. Petite chambre de 4 mètres carrés. Maman. Maman. Vous souffrez en Europe, vous souffrez. Je vous connais, non? Vous êtes là-bas à Châteauroux, vous souffrez. Vous souffrez. Mamie, tu sais quoi, Nathalie? Il faut que je parle souvent. Parce que vous, là, quand vous êtes en Bing, vous souffrez pour les papiers pendant les 15-20 ans, là. On vous donne le papier, c'est tout ce que vous avez. La pauvreté n'est pas bien, hein. Ce n'est pas bien. Venez voir comment les gens vivent au pays. Venez voir comment on vit au pays. Abidjan, au Libreville, venez voir. Le froid vous a touché. Quand c'est la canicule, ça vous touche. Les gens du pays connaissent ce que je dis. Vous savez ce que je dis. Quand tu as goûté l'argent payé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as envie quoi sur le menguiste? Bonsoir, Jean. La pauvreté, oh. La pauvreté. Quand les gens sont couchés sur leur lit, mangent du caviar. Ils ont offert 5 champagnes en boîte. 5 champagnes en boîte. Tu es là sur le direct. Tu viens attraper un petit direct comme ça. Là, tu oses parler. Tu oses parler. Non, souvent, moi, j'aime insulter. J'aime insulter. Je suis sûr que tu as vraiment un gros ventre, Bansoi. Je suis sûr que tu as un gros ventre. Et tu es très laid. Tu dois être très laid. Très laid, bien laid. Tu as eu un peu l'argent. Après, l'argent, là, est fini. Écoutez, chaque mot que je dis ici, là, ce n'est pas le hasard. Chaque mot que je dis, je ne parle pas par hasard. Il y a les jours que je m'arrête, j'insulte d'abord bien. Comme ça, vous sachez que vous n'êtes pas sur n'importe qui. Oui. Après, vous venez de spirituel, vous gifle bien même. Je vous tape bien même. Vous rentrez. Tous vos serpents, là, je vous mets à terre. Oui. Quand tu vois le commentaire de quelqu'un qui n'a pas l'argent, tu peux sentir. Parce que sa façon de parler, il a la haine. Il a la haine. Écoute, il y a les francs-maçons pauvres. Il y a les francs-maçons pauvres, je t'ai dit, tu es pauvre. Tu es pauvre. Le franc-maçon, mon frère, tu connais, j'ai à côté les francs-maçons, tu parles de quoi? Le franc-maçon ne peut pas se rabaisser à faire ce que tu fais là, ça. Tu es pauvre. Tu es pauvre. La pauvreté n'est rien. C'est pas bien.
Moi-même, je vous aime. Hein. Moi-même, je vous aime. Le franc-maçon, il se l'est trop occupé sur son argent. Tu vas venir dans le direct dire que tu es franc-maçon. Eh, Seigneur. Vous parlez de ce que vous connaissez. Hein. C'est très important. Parlez de ce que vous connaissez. Parlez de ce que vous connaissez. La dame est restée comme ça là. Elle s'est dit, si je vois ce rêve, ça veut dire qu'il faut que j'y croie. Elle dit qu'elle a attaqué un jeune. Elle a parlé. Après, dans ce même rêve-là, quand on lui a monté la bouteille, on a dit que, est-ce que tu veux casser la bouteille? En fait, on lui a dit même que pour entrer là-bas dedans, pour prendre la bouteille, il fallait qu'elle vienne avec un commissaire. Dans son rêve, elle est partie avec un homme en tenue. Ils ont pris la bouteille. Au moment où ils allaient briser la bouteille, c'est là qu'elle s'est réveillée. Mais elle dit qu'elle s'est levée dans le rêve comme ça là. Elle a lancé les déclarations. Un autre jour, je crois que c'est quand il faisait le kit de déblocage plus. Elle rêve à 3 heures que la femme est en train de faire quel genre d'incantation, quoi là-haut. Ou qu'elle essaie d'entrer dans leur maison. Devinez qui la réveille de son rêve. Le téléphone de son mari qui est en train de sonner et c'est la femme qui est en train d'appeler. Et c'est la femme qui est en train d'appeler. Elle dit donc, dans le kit de déblocage, plus, il y a une poudre que j'appelle la poudre de désenvoûtement. Elle a donc pris cette poudre-là. Elle me dit dans son témoignage que si elle disait à son mari que voilà la poudre que j'ai prise sur la page de la reine Jocelyne, son mari n'allait pas prendre. Elle a donc pris, elle dit que bon, moi je lui fais son thé chaque matin. Non. Elle a pris la poudre là, chaque matin qu'elle faisait le thé de son mari, elle mettait ça là-dedans. Premièrement, la faiblesse sexuelle. Elle dit que depuis qu'ils se sont séparés et ils sont réconciliés, elle est revenue à la maison. Le truc de son mari s'élevait une fois sur cinq. Premièrement, son truc s'élevait, maintenant, a commencé à s'élever. Marie, là, ne t'inquiète pas, mettez les têtes de mort, ne vous inquiétez pas. Vous savez, l'algorithme de Facebook est le jacquet. Que tu détestes ou que tu likes, tu as cliqué. Donc, celui qui est en train de mettre les têtes de mort, met encore plus. Tu as compris? Je ne suis pas dérangée par tes humeurs. Vous avez compris, non? Continue de mettre, tu m'aides. Encore, mets encore, encore, encore. Encore. Celui que tu as fait quelque chose sur quelqu'un, c'est rentré sur toi. C'est pour ça que ça t'énerve. Ouais, les sorciers, Seigneur, les sorciers. Et les chisao qui veulent voler les maris des gens. Ma page, c'est là. Si on pouvait voir je crois que Facebook n'a pas encore fait le genre d'application qui voit les gens qui me regardent là. C'est qu'ils pouvaient vous voir chacun là derrière vos caméras. Et les gens avaient le cœur noir. Et les gens avaient le cœur noir, que vous voulez seulement tuer d'autres personnes. Vous voulez démunir les gens de leurs étoiles. Et vous venez vous asseoir, vous me regardez. Continuez à me regarder. Merci le roi Guy. Je suis trop belle. Je suis une parfaite créature de Jéhovah. Amen. Je suis descendue sur terre, oui. Amen. Et je suis merveilleuse. Merveille, merci. Merci beaucoup. Amen. Elle a pris le thé. Elle a mis ça dans le thé de son mari. Quand il a commencé à boire, gars, les matchs ont commencé à être sucrés dans la chambre. C'est elle qui me raconte ça ce matin. Elle dit que deuxième témoignage de cette poudre-là, ce thé de désenvoûtement. Elle dit qu'avant, quand son mari partait, il avait les marchés. Elle ne connaissait pas comment il divisait son argent. Elle ne connaissait pas. Depuis que, donc, elle dit que chaque fois que si elle commence à donner le thé, s'il a n'importe quel marché, il rentre le soir, il dit, voilà ce que j'ai gagné. Sarah, voilà, j'ai eu 15 millions ici, là, j'ai eu ça, ça. Il vient, il dit tout. Et quand il dit qu'on sait, il dit qu'on okay, divise l'argent, c'est comment? Tu sais que si ton mari a les enfants dehors, et hier j'ai prié contre ça, que les femmes de dehors qui manipulent vos maris là, qu'il y a une dehors, qu'elle dit que ton mari, il court déjà. Elle parlait contre ça hier. Elle dit que maman, depuis que je lui donne le thé là, tout, il vient seulement à la maison, il dépose l'argent sur la table, que voilà, on fait comment de ça. Donc, sachez que dans votre bataille, ils essayent,
mais ils ne sont pas encore nés. On vous demande de dire que c'est moi, parce que même les démons connaissent déjà mon nom. Les démons connaissent déjà mon nom. Quand ils disent qu'au nom de la reine Jocelyne, ils connaissent même déjà maintenant. Ils ne peuvent pas. Les gens qui ont bloqué votre mariage pendant des années là. Tu as fait 5 fausses couches dans ton mariage, tu as dépassé. Hier, yeah, j'ai une dame qui me. Une de mes reines là. Vous savez que j'ai. Il y a reine, il y a encore reine, il y a reine encore là, reine là. Elle est dans le direct ici, elle me regarde, elle dit vraiment. Mettez les têtes de moi, je m'en fous. Elle me dit vraiment, tu sais quoi? Là où je suis attaquée, je ne sais pas comment, mais je suis attaquée. Mon mari et moi, on est en froid depuis 2 semaines. Ça ne va pas. J'ai demandé à tel endroit, on me dit que tantôt c'est ma belle-mère qui est fâchée. À tel endroit, on me dit que wow, au boulot, on veut le manipuler, on veut. Elle dit que là, quoi qu'il en soit, je ne sais pas là où je suis, là, ça ne va pas. Il dit, ma chérie, première des choses, rappelle-toi de qui tu es. Même s'ils ont essayé n'importe quoi, hein. Depuis les 20 ans que tu es dans le mariage, là, personne ne va te détrôner. Viens, on parle à mai. On s'est parlé à peut-être à 20h le lendemain. Pam, on arrive à la mer. Je vous ai déjà donné les choses qu'on met là-bas, non? On arrive. Elle était même indisposée, donc c'est moi qui ai fait son truc à sa place. J'ai parlé pour elle. On a pris les bonbons, versé, parlé. Quand on est arrivé avec la marée basse, dès qu'on a parlé là, l'eau a commencé à nous mouiller le jacques, ça dépassait les genoux. Monter. Elle a apporté une grosse boîte de nido comme ça. On a fait. Elle dit que ma chérie, ton rituel de l'eau ne blague pas avec. Quand tu sens que tu es un peu secoué comme ça, là, que quelqu'un allait tousser sur son marabout, si tu es vigilant, tu vas sentir. Tu es vigilant, tu vas sentir. Mof, on a parlé. J'ai parlé. Je verse. Pendant que je suis encore dans l'eau, l'eau monte, ça monte. Je dis que ma chérie, ils ont accepté. Après, je la laisse. Je dis que parle encore toi-même. Elle a parlé. Elle m'envoie le message aujourd'hui vers, je sais pas, 17h. Elle dit que maman, hier après, qu'on a fait le tour là-bas avant midi, comment elle est partie là. Dans l'après-midi, il me contacte, il me donne rendez-vous dans un resto chic. Il dit qu'il faut qu'on enterre la rage de guerre. On a parlé, on a fait les réconciliations. Que vraiment, merci. J'ai dit, oh, fast action. Action rapide. Vous allez devenir les sorcières et les sorciers. Ils vont vous appeler comme ils veulent, on s'en fout. Avant, les problèmes avec ton mari, ils faisaient 3 mois, non? Ils étaient contents quand ils viennent chez toi. Ah, tiens, ça ne va pas. Ah, je dors sur le canapé, il dort là-bas. Moi, je dors dans la chambre, là, lui dort là-bas. La personne là. Ah, vous n'avez pas toujours arrangé vos problèmes. Et la sagesse. Vous êtes en train de devenir sage. Vous devenez sage. Il dit qu'on a fait ça avant 12 heures. À 16 heures, il est en train de lui écrire au restaurant. Réconciliation comme pian. Ils vont encore aller checker, peut-être appeler que. Elle est où? Il dit, ah, elle est dans mes bras ici à côté. Attends un peu, je m'arrange bien avant de parler au téléphone. Elle fait qu'on n'allait pas de son mari. Ça fait 2 semaines. Le seul mauvais côté de la spiritualité, c'est que tu ne peux plus dormir. Tu ne peux plus te permettre de dormir. Avant, tu dormais, tu étais simple. La dame de ce matin m'a donné un témoignage, un dernier témoignage. Ouais. Elle me dit, quand elle a commencé à utiliser mes produits, elle a commencé à conseiller les membres de sa famille. Il y en a parmi vous là que même vos mères, vous conseillez à la mère que maman, lave-toi avec le sel. Maman, prend la poudre de désamour. Maman, prend le kit de déblocage. Ta mère qui a 55 ans là. Elle dit donc que son frère était, je crois, dans un pays. Je ne vais même pas nommer le pays parce que, tu sais, quand tu arrives en Bengue, tu as la Grèce, tu as les pays comme ça là. Non. Il était dans un de ces pays là. Et il voulait partir dans un pays qui est mieux.
Et il avait déjà fait les demandes, l'admission, il n'avait pas depuis. Elle a envoyé sa photo, on a fait son lavage. Je crois que j'ai fait son lavage parmi les lavages que j'ai fait. La dernière fois que j'ai fait le lavage, c'était quand? On est samedi. Ça devait être lundi ou mardi que j'ai fait le lavage. Elle a envoyé sa photo. Après, elle a acheté le kit. Elle a acheté, on a posté par DHS, ça a coûté peut-être 45 000, je ne sais pas combien là. Elle-même l'a envoyé. Dernier truc maintenant. Elle lui a dit d'aller mercredi. Elle a grondé son petit frère que pas à la mer, tu fais ton offrande. Son frère est parti mercredi. Jeudi, il a eu l'admission. Vendredi, c'était hier, non. Jeudi, il a trouvé quelqu'un il y a eu un réseau, qu'est-ce qui s'est ouvert pour qu'il aille au Canada. Et puis vendredi, il a eu l'admission dans l'autre école. C'est dans un pays comme la France, comme ça là. Il a eu l'admission pour quitter du pays Schengen qui était un peu bizarre là, pour aller dans un autre pays qui est mieux. Chose qu'il cherchait depuis, ça faisait au moins 1 an et demi qu'il cherchait l'inscription, il ne trouvait pas. Quand l'inscription arrive, on dit ça, on lui donne l'admission. Elle appelle, elle dit que tu crois encore que ce que j'ai fait là, c'est la folie. Tu crois encore que mes trucs là, c'est la folie. On vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Il y a une autre l'autre jour. C'est une de mes filles. Hein. Elle me contacte la nuit à 23 h. Elle dit, maman, que la poudre qu'il y a dans la poudre de désenvoûtement qu'il y a dans le kit de déblocage, plus la maman. Depuis que j'ai bu, je vomis seulement. Que c'est normal. Elle a envoyé ça à 23 h. Moi, je dormais. Donc, à 5 h, je me réveille. Mettez les cœurs, pardon, mettez les cœurs. Même les têtes là, mettez vos têtes de moi, je m'en fous de vous. Vous avez compris? Vous allez que me regarder, je vais qu'avancer. Vous avez compris? Tu vois, quand tu détestes quelqu'un, tu détestes, tu as tout fait. Mais le truc, c'est que ils savent que s'ils commentent, je vais les bloquer. Donc, ils ne peuvent que venir. Vous voyez un peu? Ils ne peuvent que mettre les têtes de moi, c'est tout. Mais quand vous n'avez pas assez de couilles pour parler, vous voyez un peu. Vous n'avez pas assez de couilles pour parler. Et là, je vois le message à 4 h. Je regarde. Je lui dis, ma chérie, si tu... Elle dit que je fais que vomir depuis. Que depuis que dès que je bois, je vomis. Dès que je bois, je vomis. Je lui ai écrit à 4 h. Je dis que si c'est trop chaud, tu laisses pour l'instant. Tu as compris? 6 h, elle m'écrit. Elle me dit que maman, mon ventre, elle dit que depuis des années, elle est habituée à avoir le ventre ballonné. Donc, elle était habituée. Tu vois, comme quand ton ventre, tu as tout fait pour ton ventre. C'est toujours comme ça là. Elle dit que mon ventre s'est dégonflé la nuit de tout. Que mon ventre s'est dégonflé la nuit de tout. Tu vois, quand tu as atteint quelque chose, mais tu ne connais même pas. Jusqu'à ce que l'esprit vienne te libérer, tu dis que, hey, oui. Donc, du coup, ça m'a donné l'idée. Il y a les thés. On va commencer à vendre beaucoup les thés, là, les thés de désenvoûtement, là. On va beaucoup vendre ça. Maintenant, si vous nous contactez et vous voulez ça, et vous savez que vous êtes dans une maison Decepticon, dites que vous voulez le thé de désenvoûtement no name. Chaque produit que vous voulez, et vous ne voulez pas qu'on mette les noms dessus, dites que vous voulez le no name. Parce que je vous dis, ma page est en train d'être suivie par beaucoup de personnes maintenant. Ce qui fait que certains produits, vous allez devoir recevoir ça dans les bouteilles Tanguy. Déjà qu'on regarde, on ne sait pas ce que c'est dedans. Toi, il n'y a que toi qui connais. Si c'est à ce point-là que tu dois cacher tes choses, fais-le. Soyez sage. Allez créer d'autres profils pour me suivre. Parce que ne soyez pas. L'autre jour, je pars à la mer avec une autre de mes filles. On arrive là-bas, on fait son offrande. Très peu de personnes ont l'honneur de partir à la mer avec moi. Vraiment.
Bon, il faut vraiment que t'as pas, que tu pries vraiment. Le jour quand tu me dis que l'esprit me donne le feu vert, je pars. On arrive, on fait son offrande. Et quand on faisait, j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur TikTok. Et il y avait là-dedans une boisson que son mari lui avait offert. Elle finit son offrande et rentre à la maison. Elle ne lui dit pas qu'elle est partie à l'eau faire quelque chose. Elle reste la nuit. Il lui envoie une vidéo TikTok qui est effectivement cette vidéo. Et il lui dit que, mais la boisson s'y ressemble à la boisson que je t'ai donnée, ça fait 2 jours. Il ne dit plus rien. Vous comprenez un peu? Une autre m'a même fait un message. Eh bien, avant je faisais ça, mais je ne fais plus. Quand vous arrivez, parfois quand je consultais, je parlais en regardant la caméra et puis l'autre personne parlait. Les Decepticons de la fille sont allés suivre la vidéo, ont entendu sa voix, ont envoyé la vidéo à son mari. Elle reste à la maison avec lui, il prend le lien, il envoie. Et elle dit que depuis quelques mois, il faisait chambre séparée. Donc vous voyez le point, le degré auquel les gens veulent détruire le foyer de cette femme. Ouais, tu pars chez les marabouts avec mon nom. Hein? C'est là-bas que tu finis tout l'argent. C'est pour ça que tu me dis que tu as besoin d'argent tous les jours. Elle était dépassée. Donc, devenez vigilant. Ne prenez pas de demi-mesure. Ne dis pas, ah, non. Ne prenez pas les risques. Vos belles-mères me suivent. Vos belles-sœurs qui ne sont pas mariées là, qui sont jalouses de vous parce que depuis que vous êtes mariés avec leur frère ne paye plus la pension de leurs enfants. Elles me suivent. Donc sachez qu'elles seront prêtes à tout pour vous déranger. Ce n'est pas n'importe qui doit savoir même que tu me suis, que tu as même déjà un jour regardé ma vidéo. Les soleils me donnent, ils me nomment comme ils veulent, je m'en fous. Tant pis pour celui qui ouvre sa bouche pour mal parler de moi. Il va lire le. Il va confirmer le code seul. Et là, la fesse, là, il n'y a pas d'amis sur ça. Oh. Celle que je vous ai dit qu'on a bloqué sa page Facebook, là. Ce n'est pas Facebook qui l'a bloqué. Les gens sont allés travailler pour que si les gens voient ces vidéos, que ça ne porte pas, qu'elle n'ait pas beaucoup de vues. Et c'était même tellement chaud sur la personne est venue dire que ta page ne passe plus, non. On va voir comment tes vidéos seront vues. Venir lui dire Roha, une ancienne amie. N'est-ce pas ton ex là, ton ex là qui avait beaucoup d'argent, il ne te calcule plus, non. Tu vas souvent rester en ça, tu vas regarder ta vie, tu vas dire que chi, j'étais bête. J'étais bête. I was very bête. I was very bête. Un homme te drague, tu portes tout, tu peux dire à tes tantes. Tu peux montrer à toute la famille. Je veux me marier. Je veux me marier. You used to be very bête. Oh là là. On va seulement découvrir. Ah. Ton gourou. Ton ancien marabout est devenu mon élève. Ouais, Seigneur. C'est grave. Ouais, il y a une dame qui m'a dit comme ça, il y a un de ces marabouts là, oui. Elle a fait l'erreur de lui monter ma vidéo un jour. Il regarde, il commence à dire que ouais, moi je peux faire mieux qu'elle. Elle ne connaît rien, elle ne connaît rien. Comme j'ai commencé à monter les vérités, ça a dérangé. Il a vu que la femme s'est tentée de m'échapper.
Elle est en train de m'échapper. Que je la contrôlais avant. Écoutez, ils vont venir dans la vidéo, ils ne vont pas savoir que tu es là. Tu t'assois, tu écoutes calmement. Parce que le fait que tu écoutes même seulement mes vidéos, ça t'éveille. Peut-être que ce n'est pas tout ce que je dis que tu vas comprendre maintenant ou que tu vas faire maintenant. Nyanga Bio. Demain, c'est dimanche. Elle n'aime pas trop qu'on parle du genre, c'est... Mais... Lave-toi déjà avec le sel cette nuit et demain matin. Il y a les numéros sur la page. Tu appelles. Tu peux venir à Makepe. Peut-être ce n'est pas tout ce que j'ai dit que tu vas attraper le même jour. Mais ne serait-ce que le fait que tu regardes les vidéos, ça te fait être éveillé. Et parfois, tu restes comme ça là. Tu m'écoutes. Après, il y a un truc que tu avais oublié. Peut-être que tu dis, mais je comprends maintenant. Je comprends pourquoi j'ai fait l'examen. Si, maman, j'ai eu une fois l'autre. Elle a fait un examen là. Trois fois. Deux fois d'abord, tu n'as pas marché. Quand elle est tombée sur mes vidéos, elle avait déjà fait la deuxième fois. Elle était déjà dépassée. Donc, l'examen là la hantait. Vous connaissez donc, vos permis de conduire que vous avez fait 50 fois là. 50 fois. Le tout là, je dis que ma chérie, j'ai travaillé. Il dit que repas, fais ton examen, n'aie pas peur. Elle arrive dans le centre de vous là, tous les appareils du centre se gâtent. Quand elle m'a raconté le film de son examen là, j'ai dit que mamie, qui c'était sur toi? Tous les appareils se gâtent. Finalement, elle a composé ce manque, le genre qu'on a envoyé. C'était une longue histoire. Je ne vais pas raconter les détails. Parce que la personne qui a fait ça, monsieur aussi. La personne qui a bloqué son examen, monsieur aussi. On vous connaît. Quand elle a réussi l'examen, mon frère, j'ai dit que ma chérie, ne vous dérangez même pas. Vos vies vont avancer. Donc tu vas rester comme ça là. Ce matin, je disais à une de mes filles que j'imagine un peu nos vies dans 10 ans. Tu restes comme ça, tu as 10 enfants, tous tes 10 enfants sont mariés. Tous tes 10 enfants sont milliardaires. Tous tes 10 enfants ont réussi. Tous tes 10 enfants sont heureux dans leur foyer. Tous tes 10 enfants sont minces. Donc, la spiritualité, là, c'est une science exacte. Donc, tu peux tout avoir. Yay! Yeah. Conférence annuelle des jets privés. Tu prends un de tes jets, tu nous trouves à Badjoun. Ah, laissez-moi, on va faire les choses. Eh hey, Seigneur, vivons seulement. Vivons. Ketcha, le permis, c'est pour quel pays? Permis de quel pays? Je n'aime pas trop le faux, hein. Je n'aime pas. Je peux faire payer et je fais ma chose rapidement. Mais faire le faux, là. Je préfère arriver, tu me dis qu'il y a pour 3 mois, il y a pour 2 semaines, il y a pour 5 jours. Je vais te donner l'argent, tu me fais en 5 jours, tu me prends rapide, tu me prends même, je fais les coups 8 heures par jour. Voilà. Non, notre temps est arrivé. On nous a trop volé. C'est fini. Tu restes comme ça, là. Tous les gens de ta famille avancent. Toi-même, tu avances. Tes enfants avancent. Tes neveux avancent. Quelque chose ne va pas sur un de tes neveux comme ça, là. Tu dis, faites comme ça, là. Mettez ça, faites comme ça. On fait pam, 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 débloqué. Pam, 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 visa débloqué. On dit, mais on commence à te respecter dans votre famille. Hein. Ta soeur accouche. Ta soeur accouche comme ça, là. Tu connais les rites qu'il faut faire pour l'enfant. Pas de tout que l'enfant grandit. Problème de ceci. Les parents souffrent même pour avoir l'argent, même du lait. Elvis Chofo, va écrire à Ketcha en inbox.
crois qu'on vient mettre les choses comme ça ici, ici là. Tu vas raison, tu vas voir que tes souffrances, tes démons là. Et ne vous méprenez pas. Hein. Il y a beaucoup de familles. Tu pars, tu épouses un homme, tu commences avec lui comme ça là que tu es en train de faire face aux démons de sa famille qu'on a dit qu'il ne va pas. Donc, ces soeurs sont là, le regardent comme ça là. Qu'elles ont déjà mis, il est même dans 5 bouteilles. On l'a mis même dans 5 bouteilles. Chaque soeur a mis dans 2 bouteilles là. La mère aussi est partie mettre d'abord dans une bouteille. Que tout ce qu'elle dit, tu vas faire. Et toi, tu viens au milieu, tu es sa femme. Tu crois qu'on va te laisser? Tu crois vraiment qu'on va te laisser comme ça? Ah. Les femmes ne sont pas bêtes. Vous n'êtes pas vous bêtes, pardon. Souvent, tu restes, c'est comme si tu manques seulement que les femmes-là vous venez dormir dans le lit avec lui. Marie Chantal, on ne pleure pas ici, on ne supplie pas, on fait son travail spirituel, tu as compris? Quand c'est comme ça, même d'abord le lavage à distance. Avant de demander le visa d'un enfant, tu dois faire son lavage à distance. Tu lances ça pour le village. Ne blaguez pas sur vos enfants. Même là où l'enfant est, tu dis, mettez le sel en l'eau, vous lavez les enfants avec. Tu, avant de partir déposer le truc à l'ambassade, tu tapes le jeune dessus. Après, tu fais le salaka. Vous êtes parti, on disait 5 millions, tu portes 5 millions, tu donnes. Même faire un petit salaka quand même de 50 000 à côté, tu n'as jamais fait. Parce qu'ils ont dit que comme tu es parti en Bengala, tes enfants ne vont jamais arriver en Bengala. C'est comme ça que vos enfants sont au pays, ils ont 25 ans. Tu es parti quand l'enfant avait 7 ans. Aujourd'hui, l'enfant a 25 ans. Tu dormais. Même comme ça, ce n'est pas tard. Hein. Je veux que vous sachiez ça. Même comme ça, ce n'est pas tard. Beaucoup de vos enfants, ils ont des dons. Et l'ennemi a vu ça. C'est pour ça qu'on a envoyé, qu'on attaque les enfants là très tôt. Premièrement, en les séparant de vous. Deuxièmement, en évitant qu'ils aient aussi le pas de papier, qu'ils ne voyagent. Je ne dis pas que quand tu restes en Afrique, c'est là que tu es perdu. Non. Certains aussi peuvent même faire le genre que on immobilise la procédure. Tu envoies les papiers depuis 8 ans que tu as commencé une procédure, ça ne finit jamais. Une me dit ce matin, elle me dit elle veut faire le lavage pour sa fille, tout ça. Que quand elle lance la procédure, on dit que comme son fils n'est pas sur place, elle ne peut pas demander la nationalité. Maintenant, en Afrique, quand elle veut faire le visa pour que son fils vienne, on dit qu'il ne peut pas venir parce que sa mère n'a pas la nationalité. Donc, ça n'a pas de sens. Ok, je ne peux pas demander la nationalité en France parce que mon fils n'est pas là. Comme il est dans mon dossier, on dit que ma famille n'est pas complète, donc je ne peux pas demander la nationalité. Maintenant, en Afrique, je ne peux pas le faire venir pour demander la nationalité ici parce que là-bas, on dit que je n'ai pas la nationalité. Vous voyez que c'est bête, non? Blocage. Blocage. Elle dit que le premier fils, là, il a 25 ans là-bas. Même comme ça, il dit que ne blaguez pas avec vos enfants. Ne blaguez pas avec vos enfants. Il dit que tout trou dans lequel ils ont mis vos enfants, je viens sortir vos enfants de là au nom de Jésus. Tout est étreinte. Il y en a parmi vous, l'esprit me montre qu'il y en a parmi vous. Quand vous avez accouché, vous étiez encore jeune et naïf. Ça, je ressens fortement. Tu étais jeune et tu étais naïf. Tu ne connaissais pas comment il faut entretenir l'enfant, comment il faut faire certains trucs. Tu as confié ton enfant à des femmes qui étaient très mal intentionnées. Elles ont pris le nombre de l'enfant, elles sont allées. Et comme tu étais encore jeune, 18 ans, 22 ans, j'entends l'âge de 22 ans. Ce qui fait qu'on allait faire des trucs sur ton enfant. Et aujourd'hui, tu regrettes. Tu vas mettre la main sur ton nombril. Tu appelles le nom de cet enfant-là. Les enfants que vous avez eus dans la jeunesse-là. Appelez le nom 3 fois. Déclarer que toute incantation, prononcez le nom 3 fois, toute incantation qui a été faite contre toi et que, à laquelle j'ai participé de près ou de loin, je viens maintenant t'en libérer au nom de Jésus. Bonjour la reine Rebecca. Tout trou dans lequel on a été planté, toi mon enfant,
toute chaîne. Je vois beaucoup de ces enfants-là qui sont comme attachés sur un poteau. Ils ne peuvent pas se déchaîner. Enchaîner carrément. Toute chaîne qu'on a mise sur ta vie, tu prononces encore son nom. Moi, ta mère, par la puissance du Saint-Esprit et par le lien qu'on a, je te libère, je te détache. Répétez encore, selon Ézéchiel chapitre 16, parlez à voix haute. Je viens couper ton cordon ombilical de tout esprit négatif venant de moi, ta mère, ou de ton père. Toute malédiction ou mauvais sort qui t'a suivi à cause de moi ou de ton père, comme je touche mon ombre maintenant, je te détache de ces mauvais sorts. Je te délie, selon Matthieu chapitre 18, au verset 18 et 19. Répétez, la Bible dit que si deux personnes s'accordent, tout ce que nous allons demander va nous être accordé. Et la Bible dit, continuez, la Bible dit que tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Donc, prenons au nom de l'enfant encore, je te détache au nom de Jésus. Je détache ta destinée au nom de Jésus. De la même façon que c'est moi qui t'ai engendré, que ce soit homme ou femme, la femme peut dire de la même façon que tu es portée dans mon ventre. Je commande à tout hôtel maléfique sur ta vie d'être détruit au nom de Jésus-Christ. Je vois beaucoup de vos enfants qui sont bloqués. Parfois, il y a d'autres, je vois la bourse. L'enfant a besoin de la bourse scolaire pour voyager. Et c'est bloqué. Déclarer, donc j'enlève toute limitation géographique sur mes enfants, biologiques et adoptifs. Et aussi des enfants que vous avez pris à votre charge. Même comme ça, là, ils sont bloqués. Déclarer, toute personne qui œuvre, tout groupe de personnes qui œuvrent pour nous séparer, tout rassemblement maléfique qu'ils font pour nous séparer, pour bloquer votre destinée, vous, mes enfants. Je viens causer la zizanie. Je viens les disperser au nom de Jésus. Il y a beaucoup, certains de vos enfants que c'est à l'hôpital qu'on a mis les mauvais trucs sur eux. Tu as accouché, tu étais seul à l'hôpital. Peut-être que tu étais en Europe, tu n'avais pas quelqu'un pour s'occuper de toi. Déclarer tout mauvais esprit, toute mauvaise infirmière, toute mauvaise main qui a manipulé mon enfant quand il venait de naître et qui a pris son étoile. Je commande maintenant qu'il le laisse partir au nom de Jésus. L'Esprit me montre aussi les femmes qui ont les césariennes. Vous avez eu la césarienne. Vous allez prendre l'huile d'olive, vous allez frotter sur la cicatrice, même si c'est déjà totalement cicatrisé. Tu vas frotter l'huile d'olive sur la cicatrice. Tu commences sur ton ombre, tu frottes le ombre en descendant jusqu'à la cicatrice. Et puis tu prends de l'eau, tu bois. Tu mets un peu, peut-être même deux gouttes d'huile dans l'eau. Tu bois. Et là, tu vas déclarer que tout mauvais esprit qui a été planté dans ton ventre lors de l'opération. Toute mauvaise, toute maladie que tu as depuis que tu as eu tes enfants, ou bien toute maladie qui a été déposée dans mon corps par les chirurgiens. Prononcez bien, tout serpent qui a été déposé dans mon corps, toute créature maléfique qui a été déposée dans mon corps lorsque j'ai eu ma césarienne. Je commande maintenant que vous vous désintégrez et vous sortez sous forme de sel ou d'urine au nom de Jésus. Vous allez faire ça et vous allez boire de l'eau. L'eau là, vous allez boire après. Je ne sais pas si vous avez l'eau maintenant, vous buvez. Je crois que vous devez commencer à regarder mes vidéos toujours avec l'eau devant vous et le sel.
Je viens vous libérer de toute influence. Je vous libère de toute initiation maléfique dans laquelle on vous a mis, quand on vous a opéré. Tout esprit de vampire qu'on a mis en vous, qu'on vous a opéré, à votre insu. Je déclare que vous sortez de ces cercles au nom de Jésus. Je déclare que vous en êtes libérés. Est-ce que vous êtes encore là? Okay. Et il y a aussi des personnes qui ont été très... Vous avez été... Votre volonté a été très manipulée. Parfois, tu restes, c'est comme si tu es confuse ou confus. Parce qu'on te manipule beaucoup. Puisque les gens veulent ton argent, du coup, tu restes comme ça, quelqu'un te. Il paye, il travaille sur toi pour que tout ce qu'il dit, tu comprends. Tu restes comme ça, là, tu sens ton cœur. Tu sens comment ton cœur est tourné comme ça. Après, tu sens comment ton cœur est tourné comme ça. Donc, il y a aussi beaucoup de ces manipulations. Donc, vous allez. Après, vous allez déclarer, vous allez en buvant l'eau, là. Vous allez dire, moi, vous dites votre nom. Je me libère de tout envoûtement, toute manipulation de ma volonté qui a été faite, que ce soit en me donnant des trucs que j'ai mangés, que ce soit à distance, que ce soit par des cadeaux. Toute personne qui m'a manipulé et a manipulé ma décision et ma volonté, je me libère de ces manipulations et je coupe tout cordon visible et invisible qui me lie à ces personnes au nom de Jésus. Amen. Wow, j'étais libérée des palpitations. Oui, c'est comme ça qu'ils font souvent. C'est comme parfois tu sens comme si tu vois, et ça, quand ça fait. Je vous ai parlé de la dame l'autre jour, non, qui parlait de sa copine qui est à l'étranger, qui était manipulée par une autre. Ah, c'était ta première victoire sur l'ennemi. Amen. Nous scellons ta victoire par le sang de Jésus. Est-ce que celle qui était en Europe était manipulée par celle qui était au pays? Et quand celle qui était au pays demandait seulement un truc, bam, elle a porté 30 000 euros envoyés, porté 40 000 euros envoyés. Donc le genre que, quand elle demande, tu ne réfléchis même pas. Tu fais avant de te dire, qu'est-ce que j'ai même fait comme ça là? Dès que tu demandes, non, 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 non. Donc il y a cette manipulation-là souvent qu'ils font. Il y a des rites qui partent faire pour ça. Je viens vous libérer de toute manipulation. Déposez la main sur la tête, sur le visage, le front. Répétez selon Éphésiens 6. Je mets un casque du salut sur moi. Je déclare que mes pensées sont protégées. Je déclare que mon cœur n'est influencé par personne. Je déclare que les décisions que je prends viennent du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je viens briser toute carapace que l'ennemi est venu mettre pour vous passer ses idées. Je viens enlever tous les écouteurs spirituels qu'on a mis pour te parler dans ton oreille.
Toute personne qui a parlé, qui a appelé ton nom et qui a soufflé dans les quatre coins, les quatre points cardinaux, je déclare, je commande au vent de restaurer ton nom. Toute personne qui a versé des liquides sur la terre, a fait des libations, que ce soit avec du vin ou avec du sang, il a appelé ton nom. Je déclare que le sang de Jésus répond maintenant. Je viens inverser les processus qu'ils ont utilisés, toute boîte dans laquelle on t'a enfermé. Toute bouteille dans laquelle on t'a mis. Je viens briser, je casse cette bouteille au nom de Jésus. Et je te sors de tout trou, de toute manipulation de l'ennemi. Je restaure ta santé mentale, ta lucidité. Je déclare que tes idées sont maintenant les tiennes. J'enlève aussi la paresse qu'ils mettent en toi. Tu vois, la paresse, il t'influence pour que tu n'étudies pas. On a le kit examen, je vous ai déjà parlé de ça. Le kit examen. Prenez ça, ça va beaucoup vous aider. Le kit examen. Toute paresse spirituelle ou physique qui a été mise sur vous, je viens vous en libérer. Toute personne qu'on a envoyée pour vous attacher, pour vous assaillir, pour vous fatiguer, je déclare que la mission de cette personne est annulée dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare que vous retrouvez l'usage de votre tête, de vos capacités mentales. Je déclare que vous arrivez à vous retourner à l'école et vous validez vos matières au nom de Jésus. Je déclare que votre esprit est fort. J'enlève les découragements sur vous. Tout découragement au nom de Jésus-Christ. Ils ont menti. Vous êtes en train de les secouer depuis longtemps. Parce que vous ne savez pas. Vous êtes en train de les secouer. Donc, comme ils restent là, ils se disent que mince, la fille, c'est là. Tu les secoues. Tu les secoues bien même. Tu vois, quand tu prospères et l'ennemi ne peut plus rien, il essaye, mais il ne peut rien. Il essaye, il te check, il part dans la boule de cristal, il regarde. Il ne peut rien. C'est le temps là maintenant, ça arrive, c'est le temps là maintenant. This is the time. J'ai une reine aussi comme ça. J'ai dit qu'elle est tellement. Vous l'avez vos témoignages que vous me faites. Une reine là, elle m'écrit aujourd'hui, elle me dit, elle me fait le voice. Elle dit que j'ai été couronnée aujourd'hui. Donc, dans son rêve, gros, t'avais monté une poupée qui porte ton nom. Chat! Dès ton premier rendez-vous avec la reine, il te demandait si tu avais, si je vais ton travail maintenant. Si tu vois son travail, ok, qu'il est confus. Maman, tu l'as bloqué. Il l'envoie sa fille te demander pardon. Il t'avait montré une poupée qui porte ton nom. Chai. Et quand ils te font ça, en fait, ils te montrent une poupée comme ça. Il va te faire croire que c'est pour ton bien. Et certaines de ces personnes-là vous dirigent beaucoup. Vous commandent. Je sais qu'il y en a qui viennent vers moi et ils veulent que je les commande. Je ne veux pas, je refuse. J'ai été envoyé pour vous libérer. Je ne peux pas. C'est pour ça que je vous apprends le discernement, je vous apprends à penser. Maintenant, si quand tu penses que tu as grandi et que tu vas partir ailleurs, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas. Je vous apprends avant de payer ta dîme, je t'apprends à prier sur ta dîme. Tu restes homme, tu es consciente que quand tu vois un de tes enfants est bloqué un peu là, genre, tu dis qu'il y a quelque chose là-bas. Donc, généralement, ces trucs-là, quand ils font ça, c'est pour te contrôler pour que. Il y en a parmi eux qui vous prennent de grosses sommes d'argent. Et vous voyez, il va te venir. Ouais, je dois déjà toller ma maison au village.
Je dois toller ma maison. Je viens de toller ma maison. Maintenant, il faut que je dois mettre les chaises, tu vois. Je dois aller doter ma femme au village. Ils ont ces façons de vous dire les problèmes, de façon un peu subtile, là, comme ça, là. Genre, vous voyez un peu. Ouais. J'ai toujours dit à Dieu que Dieu, si tu ne peux pas me permettre de prouver ce que j'enseigne, c'est pas bon. Et justement, la dame là avec qui je parlais ce matin, elle me disait, avec tous ces témoignages qu'elle m'a donnés, elle me parlait de la dîme. Elle dit que depuis qu'elle paye sa dîme, elle se lève le matin comme ça. Un jour, elle est partie à au centre de santé. Elle dit, le matin là, elle a fait les déclarations. Elle a dit, ok, je vais avoir soit les recettes, soit les dons de 500 000 francs. Elle dit qu'une dame est venue lui faire le don dans son. Elle est venue comme ça donner des kits de test. Un kit, c'est 1 000 francs. Elle est venue donner 500 kits. Elle dit que je ne peux pas te donner le nombre de jours, le nombre de fois innombrables où me suis levée. Elle dit, parce que je paye ma dîme, je demande ça. Parce que je paye ma dîme, j'exige ça. Et elle va dans la journée, elle voit ça se fait. Pam, pam, pam. Qu'elle racontait, moi, en fait, c'est comme si elle m'enseignait, même, en fait. C'est comme si elle m'enseignait. J'étais là, je faisais. Je disais, prêche. Prêche. Ah, Godwin, tu as bien parlé. Bizarrement, ils sont tout le temps pauvres. C'est pour ça que quand ils voient un comme le monsieur qui était là tout à l'heure, c'est Bang Swa qui est là-haut, qui vient commencer à vouloir insulter, il dit que je ne souffre pas. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas laide. Donc, avant de vous prêcher quelque chose, un jour, un jeune de mes fils qui vient de France, là, il arrive. Il regarde. Il dit, mince. Je croyais qu'on allait sauter sur un marécage pour arriver. Il dit, okay. Pour arriver chez qui? Chez moi. Tu sautes sur le marécage pour arriver dans ma maison. Pardon. Tu dois arriver, tu as le vigile à la guérite. Tu donnes ta carte d'identité avant d'entrer. Oui. J'ai mis les caméras. Ne blague pas. Pas vos trucs que vous avez annoncé, c'est elle là-bas. Non. À nous de blaguer avec Dieu. Moi, j'ai toujours voulu mettre Dieu au défi. Parce que je sais que ce que j'enseigne marche. Je sais que ça marche. Maintenant, il veut que vous ayez votre propre conviction. Parce que si je suis encore derrière toi pour te dire, paye ton. Non. Tu es encore là. Tu es notre Parce que après que tu aies fini de payer ta dîme, même pour que tu reçoives ta bénédiction, ça va venir avec la bagarre. Quelqu'un va venir dire oui, ta marchandise devait arriver. Après, on dit que non. Non. Tu te lèves, tu parles. Tu prends le don, tu mets dans la bouche. Tu mâches. Je commande. Une fille m'a envoyé un long témoignage aujourd'hui. Bon, l'équipe qui s'occupe de gérer Facebook, ils vont poster ça en semaine. Elle me dit qu'elle a quitté du pays, elle est venue au Gabon. Au Gabon, elle a donné 1 700 000 à quelqu'un. Nathalie Massi, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que prenez les pseudos comme vous voulez, vous êtes quelqu'un, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Mais il faut seulement partager ma vidéo de temps en temps. Partager. Et il m'a dit une fois que on n'a même pas, avec nos pseudos, on n'a pas les amis. J'ai seulement dit que je vous comprends. Au départ, les gens partageaient beaucoup ma vidéo. Mais quand ils ont rendu compte que les décepticons viennent voir ma vidéo sur leur mur, ils les dérangent. Donc, un peu bon. Donc, elle dit donc au Gabon, elle a donné ses 1 700 000 à un homme que il fasse ses papiers pour qu'elle parte. Donc, il devait l'amener directement en Grèce, je pense. Maman, le Tolis, là, il change de position. Donc, le monsieur devait l'amener en Grèce, non? Il arrive, il parle pour l'argent, il tâte, il tâte. Elle parle, elle parle. Wow, tu as dit que tu devais me faire ceci. Wow, tu as dit que tu devais faire ceci sur moi. Wow. Il fuit ses appels. Elle tombe donc sur mes vidéos. Je crois qu'avant, il avait déjà fait l'effort. Il l'a amené en Turquie. Il l'a abandonné en Turquie. Donc, il l'a abandonné en Turquie depuis des mois. Il ne prenait plus ses appels, rien. Il est 1 700 000 là. Elle n'a plus jamais vu. Donc, elle a commencé à se laver au sel, à mettre en pratique ce que je dis, le don, les choses comme ça.
Elle a fait le jeûne. Elle dit qu'à l'issue du jeûne, c'est le monsieur lui-même qui l'appelait. Il a versé 100 000. Donc, imagine quelqu'un que tu cours derrière lui depuis 1 an et demi. Tu finis ton jeûne, il t'appelle. Il te dit, ouais, excuse-moi, mamie. Prends d'abord 100 000. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Si quelqu'un de vos ancêtres allait le fouetter dans son rêve comme ça. Que si tu ne remets pas l'argent de la fille, tu vas voir. Il se lève le matin en disant que pardon, mamie, pardon, pardon. Prends d'abord 100 000. Ça veut dire qu'il y a rien à la volonté pour remettre l'argent. Quand il veut le témoin, la fille, il dit waouh. Et puis, c'est quand quelqu'un prend ton argent, il disparaît avec. Donc, vous devez arriver à un niveau où vous comprenez que l'affaire, si c'est la bataille, c'est la bagarre. Tu dois être convaincu. Quand je dis con, et que je dis bien con. L'affaire de dîmes, c'est là. Parfois, tu as les business que les gens veulent faire avec toi. Ils tournent, ils tournent. Tu commences à payer ta dîme. Les gens là commencent à t'appeler. Que je vais travailler qu'avec toi. Je vais travailler qu'avec toi. Oh. Tu fumes les rendez-vous. Vous allez commencer à comprendre votre puissance. Vous êtes puissante, hein? Vous êtes puissant, vous. Tu ressens ça que quand t'énerves. Que quand t'énerves. Seulement le fait que tu es fâché sur lui. Il passe. Ce qui partait fait ne marche pas. Tu restes comme ça là. Ton mari te trompe depuis. Dans la nuit, on te montre. On te montre même la personne. Tu te réveilles, tu le regardes seulement comme ça là. Tu dis que Sandrine, c'est qui? Il vient. Et il sait qu'il a 5 codes sur son téléphone. Ou bien, tu sais que dans la vie de couple, il y a toujours une femme qui a souvent très très longtemps de menacer ton mari. Elle court derrière ton mari fatigué. Fatigué. Tu ne sais pas n'importe comment. Il vient, il te demande même pardon qu'il n'avait plus jamais fait. La femme encore derrière. Ça fait même 3 ans qu'elle a disparu. Elle réapparaît depuis 2 semaines là. La nuit, tu vois dans le rêve. Tu vois comment elle vient, comment elle poursuit ton mari. Tu te lèves, et mouf. Tu coupes. Tu tapes un 3 jours de jeûne comme ça, la mouf. Tu pars à l'eau, tu fais une offrande. Elle confirme le code. Kiki vêtements. C'est la nuit, tu es en train de toucher je sais pas, le truc de ton mari. Tu es sur la vidéo, pourquoi? Tu dis qu'il t'a chassé du lit. Dépose le téléphone, tu peux t'occuper de lui. Tu es dans le lit, tu as la vidéo que tu as écouté, mamie. Ferme la vidéo si tu pars. Vous la maison, si j'ai problème, mais. Ne blaguez pas avec vos outils spirituels. Il faut avoir le discernement. Et quand les anges te montrent quelque chose, il faut croire la chose. Pourquoi c'est pour quelqu'un d'autre que tu vas aller croire? Ah, Kiki, tu dis que la vidéo est bonne. Hein? Il va encore te chasser. Ferme le téléphone si tu ne peux pas dormir à côté de lui. Tu dois croire que tu restes, tu pries comme ça, là, la nuit, on te montre. Tu te réveilles, tu dis yes, j'ai ma réponse. C'est comme ça. Papa, mamie, Marine, moi c'est Maël, Noël. Noël, bonne nuit. Allez dormir. Faut faire l'amour avant de dormir, pardon. C'est bien pour la santé.
Il est quelle heure ici? Monsieur? On a 1 heure de moins que vous. Hein. Les Français, là. Pour moi, il termine avec vous. Moi, je n'ai pas dormi. Mungo Sam. Il faut prendre une consultation. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller faire l'offrande à l'eau seulement. C'est pour ça qu'on vous demande les consultations. Alors, ce n'est pas tout ce que tu vas faire qui va donner. Il y a parfois d'autres choses en plus à faire. Comme quand on parle, vous attachez vraiment à votre argent. Et Michel Beko, tu es seul dans le lit. C'est comment avec toi? Tu es seul dans le lit. Hein. Les célibataires vont commencer à rire. Rose, Rose, si tu ne sais pas pourquoi on fait l'offrande à l'eau, ça veut dire que tu ne sais pas, non. Il y a certaines choses que moi, je n'explique pas tout, tout, tout. Hein. Je vais expliquer une fois. Celui qui est intéressé vient à la consultation et lui dit. Pas toutes mes choses qu'il vient vous dire ça. Avec tous les Decepticons qui me regardent. Ils sont là. Est-ce que vous savez qu'il y a des Decepticons à l'heure, c'est là, qui ne dorment pas, ils sont en train de me regarder. Où est le degré de haine et d'amour en même temps? Il m'admire, mais il me déteste. Est-ce que vous aussi doré? Ok. Gloria Bright, toi là. Bon, dormez bien, dormons bien. Je vous bénis, je bénis votre nuit. Versez de l'eau. J'ai trop de témoignages sur l'eau qu'on verse au centre de la pièce là. Hein. Beaucoup. Chaque jour, j'ai au moins 2 témoignages par rapport à ça. Voilà, j'ai parlé de tout à l'heure de la reine là qui devait être couronnée. Elle est dans son rêve, il y a 2 reines qui sont venues lui donner une couronne et un bâton de commandement. Comme on vous dit d'acheter vos bâtons de commandement, vous croyez qu'on veut vous exploiter là? On dit bâton de commandement, tu dis ah. Tu ne sais pas que l'instant où tu prends ça, tu mets dans ton sac. Où tu prends, tu arrêtes. Bâton de commandement, vous avez besoin de votre bâton de commandement. Ça confère une autorité en fait. Bon, vous passez un bon sommeil. Peut-être demain matin il y a prière. Prière à 6 h, c'est dimanche. Bonne nuit à vous.